Maintenant que l'échauffement est terminé, on va pouvoir commencer le cours à proprement parler. Du coup, on va commencer par les techniques de base. Donc, on va rester sur des choses très simples, mais c'est important pendant toute votre vie martiale, votre pratique martiale, de continuer à tout temps travailler les techniques de base, les poings, les pieds, les positions. Parce que dans tous vos exercices, vous aurez tout le temps ces techniques qui reviendront. D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle les techniques de base. Puisque c'est à la base de l'ensemble des exercices, de la majorité des exercices martiaux. D'accord? C'est un deuxième moyen en plus de bien finaliser les échauffements. D'accord? Du coup, on va commencer, on va faire quelques rappels. On va commencer par les techniques de poing. Donc, pour fermer les poings, tout simplement, on va fermer les premières phalanges, replier les deuxièmes. Il n'y a plus d'air qui passe et je vais verrouiller avec les pouces. Ok? Donc c'est comme ça qu'on ferme les poings. Deuxième chose importante, quand on va donner un coup de poing, c'est important d'avoir le poignet dans le prolongement de l'avant-bras. D'accord? On va avoir le poignet assez ferme. D'accord? Même bien ferme. Voilà, on va éviter d'avoir le poignet lâche parce que quand on va frapper, au moment de l'impact, c'est important de ne pas se faire de luxation, d'entorse au poignet. Voilà. Et du coup, il faut bien le maintenir ferme. Troisième petit conseil, quand on frappe, on imagine, même là, si on va travailler sans partenaire, sans bouclier ou autre, on va frapper dans le vide. Du coup, on imagine quand même que l'impact se fait sur les deux premières phalanges. D'accord? C'est très important. On risque de blesser les deux autres phalanges qui sont beaucoup plus fragiles. D'accord? Voilà. Donc, dans la mesure du possible, votre impact doit se faire essentiellement sur les deux premières phalanges. On va commencer par les coups de poing directs, donc ce qu'on appelle chez nous dam pran, d'accord? Donc la prononciation, désolé, je la fais comme quand on est en cours, mais la prononciation vietnamienne, on devrait dire dam tran, ok? Donc c'est un peu plus compliqué, donc souvent on le prononce un peu comme ça se lit en français, donc voilà, donc moi je dirais dam tran, ok? Alors, on va commencer tout simplement en chumbi, pied largeur des épaules. Je vais mettre le poing devant, ok? J'ai le poignet dans le prolongement du bras et on va venir avec la main qui est à la hanche frapper ici. Et pareil, j'imagine que c'est mes deux premières phalanges qui ont l'impact sur mon adversaire. Ici, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Je vais le faire de profil pour que vous voyez bien ici. Ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on a travaillé le coup de poing direct, dam tran, de manière statique. On va le travailler de manière dynamique, en avançant ou en reculant. D'accord? Donc, je ne vais pas axer sur la position, donc je vais juste mettre une jambe devant, une jambe derrière, et on va avancer et on va frapper avec le poing arrière. Et je vais avoir le bras, alors petit détail encore, je ne vais pas avoir le bras totalement tendu, il va être légèrement courbé, d'accord, pour laisser un peu de jeu sur le coude. Ok? Donc, on a l'impression qu'il est presque tendu, mais je laisse un peu de jeu au niveau du coude. Et je vais avancer. 2. 3. Et on va le faire en reculant. 1, 2, 3. Et on va faire plusieurs répétitions comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essayez au moment de la frappe, au moment de l'impact, de contracter un peu plus, de serrer un peu plus le poing et de contracter votre ceinture abdominale, d'accord? Pour donner de la puissance. Ok? Je ne parle pas du transfert de poids avec la hanche, mais tout simplement de contracter la ceinture abdominale au moment de l'impact pour donner un petit peu plus de puissance. Vous êtes à la maison, essayez de le faire quand même, essayez de faire plusieurs répétitions, d'accord, comme je viens de faire, et en contractant bien au moment de l'impact. Par contre, au moment du déplacement, pensez à bien relâcher, sinon vous ne pourrez pas travailler longtemps. Ok, on va continuer un petit peu sur le coup de poing direct, dam tran. Cette fois-ci, on va le faire en avançant, mais on va faire un déplacement et on va frapper deux fois. Une fois avec le poing arrière, une fois avec le poing avant.
D'accord? Donc, on va être là, ça va faire 1 et 2. Ok? Donc là, par contre, petit détail, au moment où je vais frapper avec le deuxième point, je vais 1, avec le deuxième point, je vais un peu basculer la hanche vers l'avant pour donner un peu plus d'allonge à mon point arrière. Et je vais revenir. Ok? On refait ici. 1, 2. Ici, 1, 2. 1, 2. Ok? Et on revient. Et on répète plusieurs fois la série. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ok, on va le refaire, je ne vais pas compter. Par contre, vous allez souffler à la fin. D'accord? Vous allez expirer. Vous pourrez même crier. Mais voilà, on va peut-être éviter en confinement de crier chez soi. Mais voilà, pensez à un petit peu faire sortir votre énergie. Ok? On est là. Ok, du coup, ça, je vous propose de faire plusieurs répétitions, peut-être en vous retournant, en reculant. Voilà, faire 4-5 séries, donc une dizaine, une vingtaine de répétitions pour votre séance. Ok, du coup, on vient de voir une technique de points. On ne va pas multiplier le nombre de techniques. Hein. Aujourd'hui, on a vu coup de poing direct, dame, trame. Voilà, vous avez eu un exercice, deux exercices, faites des répétitions et on verra si le confinement dure un peu plus longtemps, on verra d'autres techniques dans d'autres vidéos. On va passer maintenant au coup de pied, donc on va faire pareil, un seul coup de pied, donc le coup de pied direct, da, tran. Donc on va se mettre en position, je vais le faire une fois, doucement, et je vais le décomposer ensuite. Donc je vais mettre jambe gauche devant, je ne parle pas de position, hein, dintan ou pas dintan, voilà, on se met bien. On est bien et on va faire un coup de pied direct. Da, tran. Ok. Vous avez vu, je l'ai fait lentement. Je ne l'ai pas forcément fait haut. Je vais le faire au niveau de la ceinture pour que tout le monde voit bien. L'important, c'est de faire un beau coup de pied efficace. D'accord? Et pas un coup de pied qui monte haut. Ok? Donc, ici, on va armer, frapper, réarmer. Poser. Donc il y a trois temps dans le coup de pied. Armer, frapper, réarmer. Ok? Donc ensuite le réarmer. Soit je peux refrapper, soit je pose ma jambe. D'accord? Mais en gros, j'ai trois temps dans un coup de pied. Armer, frapper, réarmer. Je remonte. Armer, frapper, réarmer, poser. Ici, 1, 2. Et on va faire la même chose avec la jambe gauche. 1, 2, 3. Ok. Petit détail, au moment de l'impact, on va essayer de ramener les orteils vers soi. D'accord? Je vais ramener les orteils. Je fais pas plonger mes orteils vers l'avant, au risque de casser les orteils, de faire des entorses, pardon, au moment de l'impact. Ok? Donc, même chose, on va le faire de manière statique. Voilà, je vous propose 10 répétitions de chaque jambe. Là, je vais en faire que 2 de chaque jambe pour pas que la vidéo soit trop longue. Et ensuite, on va le faire en déplacement. 1, 2. Je rechange de jambe. 1, 2. Ok. Et on fait plusieurs répétitions comme ça. Ce que je veux vous essayer de faire, c'est d'augmenter l'intensité et la puissance de frappe au moment de l'impact. Ok? Je vais vous montrer un autre exercice que vous pouvez faire en utilisant une simple chaise. Alors, on va dire qu'il y a deux niveaux sur la chaise. Si vous n'êtes pas encore à l'aise, tout simplement, sur l'assise de la chaise, vous allez mettre l'assise en face de vous. Et tranquillement, je vais travailler ma jambe assez lentement, d'accord? C'est plus difficile de faire un coup de pied lent qu'un coup de pied rapide. Ok? Ici. Et je fais attention à bien ramener mes orteils vers moi. Ok? Deuxième niveau, ceux qui sont un peu plus à l'aise, on va mettre le dossier face à soi.
Et cette fois-ci, on va juste monter un peu le niveau, la hauteur de la jambe. 1. 2. Ok. Voilà pour le coup de pied. Donc, on peut le travailler de manière statique, donc sur place, sans trop bouger. Deuxième exercice, on le fait en se déplaçant. Et troisième, on peut mettre un petit outil qui va permettre d'aider à bien lever la jambe et à bien ramener les orteils vers soi. Petit détail sur la chaise, quand vous travaillez avec l'assise en face de vous, essayez d'avoir les orteils, quand vous les ramenez vers vous, qui soient parallèles au dossier. D'accord? S'ils sont parallèles au dossier, c'est que vous avez bien ramené les orteils vers vous et que vous avez bien frappé avec la bonne partie du pied sur votre adversaire. Ok? Voilà. À vous de jouer pour les techniques de base.